Les enfants de l'école primaire publique EPP Le Boutou 2 à Dabou ont pu quitter cette école pour cette autre. 6 classes du CP1 au CM2, un bureau pour le directeur, 8 latrines et point d'eau. C'est nouveau et ça donne envie d'aller à l'école. Au point que le taux d'absentéisme a été réduit de moitié, de 6 à 3%. Pareil pour l'EPP Saut des Palmes, toujours dans la ville de Dabou. Nous avons mis fin à la double vacation. Nous pouvons travailler pleinement en plein temps. Les classes sont électrifiées, il y a des points d'eau, il y a une cantine, il y a les sanitaires. Pour mettre les enfants à l'aise et permettre à tous de travailler. Il y a une grande différence parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent même plus rester à la maison. Ils sont toujours là. Save the Children, c'est l'ONG internationale qui pilote le projet. Intitulé Hope for Africa, le projet permet en plus des réhabilitations d'écoles, la formation des enseignants et la distribution de matériel. Près de 2500 kits et 1200 tenues scolaires offertes dans les inspections d'éducation primaire de Dabou 1 et 2. Les cantines scolaires, c'est un des points forts du projet. Plusieurs centaines d'enfants défavorisés bénéficieront d'un repas correct sans avoir à parcourir des kilomètres à la pause de midi. Une raison de plus d'aimer l'école.